Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou organise la deuxième édition de la rentrée des œuvres universitaires sociales. Une cérémonie placée sous le thème L'art, la culture et le sport, levier de développement socio-économique d'une nation. La cérémonie laisse place à un bref bilan des réalisations du COSPE. Le Centre des œuvres universitaires sociales de Parakou a prévu dans son plan de travail annuel gestion 2018, l'acquisition d'un bus flambant neuf. À cet effet, la somme de 95 millions a été budgétisée. Cette somme a été retenue à la direction générale du budget et rassurez-vous, Madame la ministre, le bus ne nous a pas été livré à cette date. Nous en appelons vivement à votre intermédiation. Le COSPE a gagné le pari d'ouvrir le restaurant universitaire aux étudiants dès le 2 janvier sur une période de 7 mois dans les 9 mois que compte l'année universitaire. Un bilan qui ne semble pas satisfaire le responsable des étudiants de l'Université de Parakou qui se lance à son tour dans un exercice de doléance pour une meilleure amélioration des conditions de vie des étudiants. Madame la ministre, illustres invités, les étudiants souffrent sur certains points qui nous sont sensibles. Dans certains domaines, beaucoup de choses doivent être revues et si vous voulez que nous continuions à acclamer les actions à venir. Relativement au COSPE, nous demandons de nouvelles infrastructures résidentielles et de nouveaux bus de transport, non seulement pour le déplacement des étudiants à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de Parakou. Et comme pour répondre à cette doléance, la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique promet de prendre en compte les différentes doléances formulées. Je voudrais vous rassurer, chers apprenants, de ce que nous rechercherons toujours plus de qualité et ce, accessible pour tous. Nous serons toujours là pour faire en sorte que cela ne pèse pas trop sur vos poches. Mais attention, l'amélioration, la qualité a toujours un coût. Avant qu'on ne veuille pas la qualité. Au revoir.